Et t'es sûr que tu te débarrasses de tout ça? Ouais, faut que je fasse de la place. Enfin, quand même, Donjons et Dragons, les deux films. J'aime bien, moi. Oh, Rainbow Kids! Je savais même pas qu'il était sorti en DVD. Si, si. Damien, c'est quoi Dolmen? Dolmen, tu connais pas? C'est un gros truc, ça. C'est les plus gros scores d'audimat à la télé. T'as jamais regardé? En 1965 est diffusée pour la première fois Belphégor ou le fantôme du Louvre, une mini-série en noir et blanc composée de 4 épisodes de 70 minutes avec Juliette Gréco et Yves Régnier contre une mystérieuse apparition spectrale au cœur du musée. C'est un immense succès avec la France entière s'interrogeant sur l'identité du fantôme, quitte à harceler les comédiens de la série. C'est finalement à peu près le même engouement que connu Dolmen en 2005, incroyable carton de l'été avec 12 à 13 millions de spectateurs en moyenne par épisode, atteignant carrément 53% de part de marché pour le dernier épisode. Un record encore inégalé pour une saga de l'été, avec Ingrid Chauvin confrontée à un serial killer en Bretagne au milieu de menhirs qui saignent. Et ça s'appelle Dolmen et ça parle de menhir? Bah, disons qu'une série s'appelant Menhir ou Mégalith, c'était peut-être moins vendeur. Et c'est bien au moins. Nous découvrons donc Marie Kermer qui, telle n'importe quelle héroïne de saga de l'été, revient sur son lieu de naissance après plusieurs années. Bon, là, c'est pour se marier avec Christian, un navigateur. C'est lui, Christian? Non, ça, c'est Gildas, son frère. Il est trop heureux pour rester en vie longtemps. Alors, Marie est jouée par Ingrid Chauvin, que les téléspectateurs de TF1 connaissaient très bien pour avoir squatté des séries AB avec Les Musclés, La Croisière Folle Amour et même Les Années Fac. Je connais pas, moi, je suis pas vieille comme toi. En revanche, elle était dans Femme de loi, où elle jouait une flic qui s'appelait Marie. Oh! Fais pas cette tête, maman. C'est juste un instrument de travail, c'est tout. Ah, mais elle joue encore une flic, du coup. Qui s'appelle Marie. Bref, on en est à 4 minutes d'épisode quand elle trouve une mouette morte et pleine de sang dans son voile de mariée. Moi, j'aime pas ça. C'est un signe, ça, non? Non, c'est une mouette. C'est même un goéland. C'est breton en carton, je te jure. Et c'est ainsi qu'on rencontre aussi Loïc, frère de Marie et propriétaire de cet hôtel, préparant tranquillou la sono du mariage. Pendant que Marie est punie dans sa chambre, les hommes font la bringue dans le café de la sœur de Christian. Alors Christian est joué par Xavier Deluc, qu'on voyait déjà dans Terre Indigo. T'as alors Ryan, joué par Yves Régnier, qui s'embrouille avec Gildas avant d'être embarqué par Stéphane le flic, qui l'emmène passer la nuit au Comico. Allez, à voir ! Yves Régnier, le chanteur ? I understand, mais ça donne à rafraîchir. Je vais aller dans la cuisine me chercher une petite mousse. Ou le commissaire Moulin aussi, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Je m'en souviens surtout de la tondeuse à touffe, perso. Quoi? Bon, je me suis dit, bon, ok, oui. Mais qu'est-ce que je peux lui offrir? Les fleurs, je trouve que ça fait quand même un peu blaireau. Donc, qu'est-ce que je peux bien lui acheter? Et alors, j'ai hésité longuement avec une tondeuse à foufoune. Pendant ce temps, Marie nous fait une publicité pour la constipation et se tord de douleur dans son plumard. Constipation occasionnelle? Prenez Dulcolax. Du coup, elle se lève, voit que le phare est éteint, t'as une procession de druides sur la falaise et Nicolas son neveu retourne à l'hôtel. Va falloir faire un arbre généalogique, sinon on va pas y arriver. Donc là, t'as les Pérec. Là, t'as les Kermer avec Marie. Là, t'as les Bréa avec Christian et Anne. Là, t'as les deux Carcins. Et il reste les Lebihan. Et puis eux. Quand on sait pas avec on qui ils sait sont. Pas avec qui ils sont. On a bien fait de faire un arbre généalogique. Au petit matin, on découvre Gildas décédé sur la plage et bouffé par les mouettes. Je me disais bien qu'il était beaucoup trop heureux sur ce bateau. Pour Marie, le Très-Haut jugera et du cœur de pierre, le sang coulera. Marie débarque à l'hôtel avec la mauvaise nouvelle, annule le mariage, ce qui fait pas trop plaisir à Christian, et débute son enquête, ce qui fait grave pas plaisir à sa mère. Il faut l'examiner, c'est la procédure. La procédure. Ton frère est mort. Et toi, tu me parles de procédure.
et agent de la paix avant tout. T'as un menhir qui saigne. Ce qui fait peur à Pierrick le Billon, mais on y reviendra plus tard. Donc là, t'as Ryan qui parle à Marie et lui fait un topo sur la légende des naufrageurs, à savoir des gens qui font échouer des bateaux pour buter l'équipage et leur voler leurs richesses. J'ai vu ça dans un épisode de Scooby-Doo. Now we'll see who the culprit really is. Verona Dempsey. Alors apparemment, t'as plein de mystères autour de Marie, sa mère flippe, mais veut pas causer. Alors il se trouve que c'est le sang de Gildas qui a coulé du menhir, mais sa mère veut quand même pas que sa fille enquête. Pour couronner le tout, t'as Marie qui fait des rêves chelous, prémonis bizarres, et Christian son mec qui veut bien compatir, mais bon, il a une réservation Airbnb, faut pas trop traîner. Donc en gros, tous les personnages lui sortent qu'elle va quand même pas passer ses vacances à faire des heures supplémentaires en enquêtant sur la mort suspecte de son frangin alors qu'elle est sur le point de se marier. Madame a hiérarchie de me détacher ici, le temps nécessaire. Ton frère est mort. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est jouer aux flics. Quand tu te maries, t'as plus le droit de travailler? Non, c'est la dure loi de Tikern. Bon, en fait, elle enquête quand même, hein, en prenant des photos à une main, et tombe sur un collier avec marqué Aude dessus. Qu'au départ, tu crois que ça appartient à Aude, la fille d'Yves et Chantal, mais en fait, c'est celui de Chantal qui se tape Nicolas, le petit ami de sa fille. Surtout que juste après, t'as une marche blanche en souvenir de Gildas, ce qui permet de voir les autres personnages. En gros, alors t'as deux autres grosses familles, les Dockersins et les Le Bihan. Et c'est velu cette histoire. Tout le monde l'aimait, Gildas. Non. Marie est à ça de se ramasser un bateau sur le coin de la figure, quand Christian l'invite à le retrouver dans le lieu où il l'avait demandé en mariage, à savoir une vieille abbaye à moitié détruite où t'as des moines en ségoué qui lui cherchent des noises. Il pleut, elle se chope un gros coup de pression avant de mettre un gros coup de pied au commandant Lucas Fersen, spécialiste des crimes rituels débarqué sur l'enquête. Bon, on pourrait peut-être parler de tout ça au sec. Qu'est-ce qu'il fichait là dans une vieille abbaye au beau milieu de la nuit? Oh, on s'en fout. Et qui est joué par Bruno Madinier, alias Bruno, dans Les Cordiers jugés flics. Ouais, en gros, t'as que des ex-acteurs assermentés de TF1, quoi. Des juges et des flics. Paraît justement que les habitants l'appelaient Bruno Cordier et que ça l'énervait. Bah pour moi, il me fait penser au personnage que joue Mel Gibson, vous voyez, ou Bruce Willis. C'est des types qui sont dans l'action, dans la vie, et en même temps qu'ont une distance. Marie fait un topo à Lucas sur les légendes du coin, alors que, bah, c'est censé être le taf du mec, déjà. Fuis, meuf, il est pas fiable. En plus, quand tu lui dis que t'as vu des trucs, il te croit jamais. Un moine sans tête, qui parle en plus, et qui sort de partout à la fois, non mais ça démarre fort. En même temps, les versions de la police... Marie est personnellement liée à l'enquête, du coup, elle en est débarquée, ce qui lui plaît moyen. Et elle lâche Lucas au beau milieu de la nuit, sous la pluie, tout seul, comme un con, avec sa Sansonite à la main. On retrouve alors Marie qui discute avec Loïc, jusqu'à ce que débarque Lucas, trempé, qui demande une chambre. Chambre qui est juste en face de celle de Marie, d'ailleurs. Et alors qu'elle refait un rêve bizarre avec du sang partout, t'as Christian qui la réveille et lui explique qu'il aura acheté une maison pour lui faire la surprise. T'as trouvé une photo ? Donc non seulement la meuf elle a plus le droit de bosser, mais en plus elle décide même pas où elle habite. T'as un conseil municipal avec une ambiance de merde à cause d'un faux message posthume de Gildas, ce qui nous permet de comprendre que t'as des rivalités entre les familles pour des questions d'argent et de terrain. Arrive Lucas dans sa nouvelle caisse. Qui accuse Yves Perec d'avoir buté Gildas à cause de curieuses griffures dans le cou et parce qu'on a retrouvé du sang sous les ongles de Gildas. Juste après, t'as Aude qui apprend que son mec couche avec sa mère, tandis que son père, Yves donc, est arrêté parce qu'il se trouvait sur la falaise avec Gildas juste avant sa mort. Ce qui en fait le principal suspect du meurtre. Je voudrais pas faire ma raclette, mais la soirée s'annonce pas super. Pendant ce temps, au château, t'apprends que la mère de Marie est femme de ménage chez les Dockersins. Les riches là, avec Hippolyte Girardot en Pierre-Marie Dockersin, tandis que le capitaine Haddock fait son patriarche. C'est pas le père de Lambert Wilson lui en plus ? Si si, par contre, alors Hippolyte Girardot n'a strictement rien à voir avec Annie Girardot. Ça cause pognon, et on te fait bien comprendre que Pierre-Marie, enfin PM pour aller plus vite, n'était pas dans le château à 3h du matin. Maintenant, j'exige de savoir où vous étiez la nuit de la mort de Gildas. Je veux savoir où est le problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Nicolas se met à gueuler, son père lui met une claque parce qu'il joue mal, et en profite pour engueuler Marie qui n'avait rien demandé. Genre c'est à cause d'elle si sa femme couche avec le copain de sa fille? Le patriarcat, c'est toujours la faute des femmes. Marie regarde en secret le dossier de l'enquête sur la mort de Gildas dans la chambre de Lucas, avant de voir que le phare est éteint et d'apercevoir à nouveau sur la falaise des mecs habillés en moine qui se promènent avec des lanternes.
Elle monte dans sa voiture pour aller jeter un œil, mais oh là là, elle se fait agresser par des crabes dans sa propre caisse. Du coup, elle panique et t'as une voiture qui arrive en face et bim, freeze frame, fin de l'épisode. Attends, elle a même pas jeté un œil à l'intérieur de sa voiture quand elle y est montée ? D'où ils viennent ces crabes ? Tu le vois quand même quand tu montes dans ta voiture que t'as des crabes. T'as une lumière, ça fait du bruit, c'est n'importe quoi. Ah bah c'est Dolmen. Mais du coup, c'est qui les druides sur la falaise ? Il est allé foutre quoi, Lucas, au beau milieu d'une abbaye sous la pluie ? Et les druides dans ces gouées, c'est les mêmes que ceux de la falaise ? Mais du coup, c'est bien Yves le coupable ? Tu le sauras au prochain épisode ! Un nouveau cadavre est découvert tandis que Loïc découvre des vêtements tachés de sang dans l'armoire de son propre fils. Yves n'est plus dans sa cellule, Yvonne tombe dans les vapes, Marie prend feu et Nicolas semble-t-il disparu en mer. Ne manquez pas le prochain épisode de Dolmen. Donc, depuis le vent des moissons sur TF1 en 1988 avec Annie Girardot, chaque été se voyait gratifié d'une saga constituée de 5 à 6 épisodes racontant les histoires tragiques de grandes familles de propriétaires se déchirant à cause de lourds secrets dans le sud ensoleillé. Citons aussi Les Cœurs Brûlés avec Mireille Darc sur TF1 en 1992, Le Château des Oliviers sur France 2 en 1993, Terre Indigo en 1996, situant carrément l'action à Cuba avec Francis Huster, Téton Saillant. La recette est toujours la même. Une héroïne se ramène après plusieurs années d'exil au cœur du domaine familial. Domaine qui se trouve convoité par un méchant châtelain, connaissant le terrible secret de la famille. Bref, un Dallas franchouillard qui cartonna d'année en année jusqu'au bide de Méditerranée, avec déjà Ingrid Chauvin en 2001, forçant les chaînes de télé à se renouveler. Du coup, à ce concept s'ajoute alors une trame policière, comme avec L'été rouge de 2002 ou Le Zodiac de 2004, avec de nouveau Francis Huster contre un tueur sanguinaire. Une saga que j'ai hésité à faire, mais c'est vraiment pas très intéressant. Incroyable. Tu la trouverais avec une banane dans le cul, elle te dirait qu'elle a pas vu la corbeille de fruits. Puis il y a eu Dolmen, donc, ajoutant une couche d'ésotérisme, repiquée au Da Vinci Code de Dan Brown, hyper populaire à l'époque. Et puis c'est la débandade. Le maître du Zodiac, avec ses 8 millions de spectateurs, fait beaucoup moins bien que son aîné. La nanardesque Mystère et ses extraterrestres tombent à 6 millions. Et France 2 et sa prophétie d'Avignon parvient avec du mal à réunir moins de 4 millions de spectateurs la même année. Au revoir et à bientôt.